Salut les Valjeans, ici le héros Valmar pour vous servir. Il est temps que nous explorons les lieux pour voir si nous ne pouvons pas trouver un fameux temple à l'est. Oula! C'est quoi ce truc? Une goule! T'es sérieux qu'il y a ça dans le jeu? Venez, mais amenez-moi à la sortie, amenez-moi à la sortie! Une goule, il y a une goule, les mecs! Il y a des goules dans ce jeu! J'ai utilisé ma meilleure potion, mais je m'en fous! Ah! Au secours, les gars! Au secours! Tenez bon, j'arrive! On l'a eu! C'était quoi cette bête? Ça va aller? Ça va aller. Sam, il va bien, c'est un costaud, lui. Wouah, punaise, la sale bête! Commence mal cet épisode. J'espère que dans le temple il n'y a pas des bestioles comme ça, hein. Quand je vous disais que ce jeu était compliqué, vous avez vu la vie qui me faisait perdre le machin? Et j'ai rien carrément comme truc pour survivre, moi. Au premier coup, je suis mort. Bon, pas de panique, pas de panique. C'est peut-être pas le bon chemin, finalement. Mais j'en sais rien. Comment tu veux que je sache quel est le bon chemin? Ce jeu n'a clairement aucune indication. Quoi, c'est tout? Cette sale bête gardait juste un lieu comme ça? C'est bizarre. En tout cas, on a chassé la goule de ces lieux. En tout cas, on aura un endroit où... Ok, je reste pas, je reste pas, je reste pas. L'ambiance de jeu, elle marche très très bien, hein, mais je ne sais pas si les bestioles qu'on entend sont les vraies bestioles ou si... voilà, donc je préfère même pas rester... Je préfère tenter ma chance ailleurs. Le corps de l'autre a disparu. J'avais fouillé le coffre. Oui, j'avais fouillé le coffre. Chasseur, moi, tu parles. Donc on rencontre plus de bestioles. Sauf que je viens d'en voir une là. Quoi ce truc? Ah! Ça va. C'est juste un porc épique lui. Par contre, il a l'air plus vénère que les autres. Ouais. C'est une version améliorée lui. Viens vers moi. Ok. Merci pour votre viande, les gars. Où est-ce? Punaise. C'est bien le moment de tomber sur un loup. Ça va, c'est un basique. Punaise. Waouh, et ce jeu, comment il... Ce jeu te fait regretter des jeux comme Skyrim, hein, ou des jeux Dark Fantasy qu'on te dit « Ouais, regarde, nous, on est trop dark !» Prenez exemple sur Reason, là, tiens, les mecs, vous allez voir si c'est dark ou pas. J'ai littéralement peur à chaque tournant, les mecs. Coffre au trésor. Quelque chose me dit qu'en le touchant... Encore raté. Dépêche. Et voilà. Je veux pas attendre qu'une bestiole m'arrive par derrière. Mais où est-ce que je suis, bordel de merde? On
Déjà, je vois un autre loup. Mais attendez, carte. Celui-là, d'accord. Eh, plus à l'est, je pense pas que je puisse y être, hein. Occupons-nous des loups. Espérons que c'est pas des loups noirs. Vous êtes des loups normaux? Vous êtes des loups normaux. Nombreux, mais normaux. Ok. Tu veux? Okay. Dans le jeu, t'es obligé de perdre de la vie. Bon. Toute une meute de loups à moi tout seul. Qu'est-ce qu'il y a? Allez hop, va nous falloir regagner de la vie là. Beaucoup de vie. Pour quelque chose de puissant, j'ai que la viande. Ça ira. Voilà. Bon, où est-ce que je suis paumé? De toute évidence, je suis... Wow! Où est-ce que je suis, sérieux? Je ne reconnais pas cette partie de l'île. Où est-ce que je suis? Déjà, il y a des sanglards. Ça, c'est pas super. Ça semble être un endroit qui... connu des jours meilleurs. Faudrait que j'arrive à me repérer. Tiens, je crois que ça c'est la ferme. Donc si on pense que ça c'est la ferme. Oh là là, mais je suis complètement paumé les gars. Le seul moyen de savoir où est-ce qu'on est, c'est de descendre. Sauf que soit on choisit le chemin des gentils sangliers qui vont sûrement vouloir me péter la gueule. C'est des sangliers, hein. Attends, j'arrive même pas à bien voir. Bon. En tout cas, il semblerait que j'ai retrouvé mon chemin. Ou du moins une partie. Ouais, ça c'est l'affaire. D'accord, ok. Ok, ok, ok. Donnez-moi cette carte là. Je sais pas du tout où est-ce qu'on est là. Il est où ce temple à l'est à la fin? C'est quoi l'est pour le jeu? Non, parce que là la carte, elle est là la carte. Je sais lire une carte quand même. Bon, bon sang, bonsoir. Situé à l'est. Localiser le temple scellé à l'est. Alors l'est c'est par là. Donc en prenant tout ce qui est dessin comme ça, qu'on se dit que c'est une... C'est justement une... Un temple. Donc imaginons que ça c'est justement le temple en question. Proche de ferme qui doit être abandonnée. Parce que sinon ça veut dire qu'il faudrait qu'on se dirige loin vers l'est. Mais très très loin alors. En même temps, ce serait logique que ce soit aussi loin, parce qu'en fait, ça expliquerait pourquoi les chasseurs de trésors sont en fait aussi proches, justement, du temple. Pas une connerie, en effet. Pas une connerie. Bon, réfléchissons. Alors, un temple scellé à l'est. Le seul truc qu'on a à faire, c'est donc nous diriger vers l'est. Ou du moins trouver une sorte de temple. Bon, pour les temples, on a vu ce que ça donnait. Donc par là, c'est le monastère, hein. Monastère, exactement. Donc ce n'est pas par là que nous devons aller. Attendez, 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 attendez. T'es en train de me dire que la grande citadelle, là, le machin truc géant... Non, oui, ça c'est le monastère, nous sommes d'accord. Mais il est où votre temple à l'est là? T'es bien gentil de me dire qu'il était à l'est, mais... attendez, attendez, on va relire la mission. Alors, vous pouvez... Il y a une caverne à l'est de l'île. D'après la rumeur, il s'y trouverait l'entrée encore scellée d'un temple. Quelqu'un devrait aller voir ça de plus près. Très bien, je vais marquer l'emplacement présumé de cette entrée sur votre carte. Ah ouais, d'accord, la petite route à faire quand même, hein. Et je suppose que pour y aller, niveau bestiole,
Wow, punaise. Attendez, carte. Ne nous paumons pas. Ouais, mais c'est loin, c'est super loin. C'est méga loin, votre truc, là. Bon, eux, c'est des jeunes rats, ok. Donc, eux, j'ai pas trop de risques à prendre. Mais oh, quand même, c'est des... Mais je sais pas si vous avez conscience du danger dans lequel vous m'envoyez, là. Mais mec, je suis peut-être le héros, mais quand même pas au point d'être suicidaire. En tout cas, il y a les fermes, là. Les fameuses fermes abandonnées. Je pourrais essayer de trouver le mal qui les ronge. J'entends comme quelqu'un qui tape sur un truc. Comme j'ai dit, ouais, je pourrais toujours essayer de fouiller dans la... Je pourrais peut-être aider ce couple-là qui disait venir d'une ferme. Savoir de quoi il en retourne. Qui t'es, toi? Vous, vous êtes bien réel, n'est-ce pas? Bien sûr que je suis réel. Je suis désolé, mais il est de plus en plus difficile de faire la différence ces temps-ci. Qui êtes-vous? Moi, c'est Léon. Vous n'avez pas l'air d'avoir l'esprit tranquille, Léon. On peut dire que vous êtes difficile à trouver. Qu'est-ce que vous me voulez? Votre mère se fait du souci pour vous. Ma mère se fait du souci pour un rien. Vous n'avez qu'à lui dire que je suis toujours vivant, pour l'instant en tout cas, et qu'elle aussi me manque. C'est le genre de choses que les mères aiment entendre. Vous n'avez qu'à le faire vous-même. Je refuse de retourner là-bas. J'ai justement quitté la ville pour essayer de trouver un peu de paix. Que faites-vous ici, au beau milieu de la forêt? Je cherche simplement de quoi manger. Vous êtes sûr que c'est tout ce que vous faisiez dans le coin? Bien sûr, je suis un chasseur. C'est pour ça que... je chasse. Vous n'avez pas le physique d'un chasseur. J'y peux rien si j'ai pas le profil type. Allez, dites-moi vraiment ce que vous faisiez ici. Bon, très bien. Je suis chasseur de trésors. J'ai entendu dire que les ruines étaient remplies de choses intéressantes, alors j'ai voulu ma part du gâteau. Je me suis même procuré une pelle et une pioche. Épargnez-moi ces balivernes. Je sais que vous mentez. Vous n'allez vraiment pas me lâcher avec ça, hein? Même pas en rêve. Bon, très bien, mais je doute que vous me croyez, même si je vous dis la vérité. Avant que l'ordre ne ferme les portes de Port Faranga, j'ai commencé à avoir de terribles cauchemars. Et puis, les choses ont empiré. Je me suis mis à être victime d'apparitions et à entendre comme des murmures dans ma tête. Je me suis alors échappé de la ville, mais cela n'a rien changé. Ça fait des semaines que je n'ai pas fait une nuit de sommeil digne de ce nom. Ces murmures, je les entends en permanence. Quant à ces apparitions, ces âmes errantes, elle refuse de me laisser tranquille. Pourquoi un seigneur déchu viendrait-il vous hanter? Si je le savais. Et ces fantômes, ils vous parlent? Seulement l'un d'entre eux. Il dit être le seigneur Patrosmont. Que pouvez-vous me dire de ce seigneur Patrosmont? Eh bien, il m'apparaît, et j'entends ces horribles murmures dans ma tête. Il dit des choses terribles. Terribles! Waouh! Entre le mec qui disait qu'il avait entendu les fantômes, là, tout ça, etc., et lui qui fait des cauchemars avec un seigneur qui lui veut du mal, wow, punaise, ces temples et toute l'histoire de Reason, là, elle est complètement chelou. Mais quand on va avoir la révélation, je suis sûr qu'on va se dire, wow, putain de merde! Avez-vous une idée d'où ces fantômes peuvent venir? Non, mais dans mes cauchemars, je vois des tours. Il y a justement les ruines d'une tour un peu plus au nord. Il y en a aussi d'autres sur la côte ouest. C'est peut-être de là qu'ils viennent. S'ils vous apparaissent et s'adressent à vous tout particulièrement, c'est que vous avez dû faire quelque chose qui ne leur a pas plu. J'ai trouvé cet anneau étrange dans la forêt. Je l'ai trouvé, d'accord? Je l'ai pas volé. Je suis juste tombé dessus. Et c'est justement depuis ce moment-là que je les vois. Montrez-moi cet anneau. Tenez. Cet anneau devait leur appartenir. Les morts n'apprécient pas trop qu'on s'empare de leurs reliques. Fichtre alors. Et qu'est-ce que je dois faire maintenant? Je peux peut-être vous débarrasser de ces fantômes. Vraiment? Et comment vous comptez faire? Je vais me rendre dans ces tours, et je verrai bien ce que j'y trouverai. Ce serait formidable. Je ne sais pas encore combien de temps je peux supporter tout ça. À qui appartient cette cabane? À moi. Enfin, à moi maintenant. Vous vous l'êtes approprié. Vous considérez donc tout à fait normal d'occuper le domicile de quelqu'un d'autre? Hé, vous ne voyez pas que rien ne va plus sur cette île? En plus, ça n'a l'air de déranger personne. Soit son propriétaire est mort depuis belle lurette, soit il a été emmené au monastère. Vous avez certainement raison. Comment vous êtes-vous échappé de Port Faranga? J'ai escaladé le mur d'enceinte.
aussi simplement que ça. Ce qui a été difficile, c'est de ne pas se faire repérer, c'est sûr. Ah, super! Une nouvelle quête. Comme si j'en avais pas assez en ce moment. Seigneur, donc soit c'est à la tour qui est au nord ici, soit c'est... Oh là 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 là, mais les mecs... Les mecs, vous nous faites quoi avec vos scénarios, là? Surtout que moi, là, comme un con, je fonce dans le tas, tout seul, vers le danger, hein? Dans le seul et unique but, hein, je rappelle, de m'enrichir. Et de faire un truc pour le don. Et voilà, maintenant que j'entends un bruit. Ok, je vois ce que c'est. Enfin, je vois. J'ai ma petite idée, quoi. Donc, en étant ici, qui semble être une zone sûre, hein, je dis bien qu'il semble. Ouais, je suis toujours dans la bonne direction. Je sais pas si c'est la bonne ou la mauvaise nouvelle, en fait. Attendez deux secondes. Oula! Le chêne! Forcément, c'est plus solide. Mais bon, c'est pas parce qu'il est solide que ça veut dire qu'il est meilleur. Aïe, 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 mais... Il est énervé, ce petit truc! Non, mais... Ah, tu sais que c'est chiant, hein, de... Mais non, je suppose que t'as aucune idée de ce que ça me coûte, ton histoire, là. Allez, donnez-moi de la viande grillée. Tout semble parfait. Reprendre notre voyage une fois que j'aurai récupéré toute mon énergie. C'est pas ce qu'il y a de meilleur, mais bon. Ça m'évite d'utiliser de la nourriture beaucoup trop importante. Alors, de là, je dois réfléchir. Est-ce que je passe par le nid de frelon? Ou j'essaie de passer par là que ça a l'air d'être plus calme, mais en fait, c'est pas plus calme. Je rêve. Il y a un dinosaure. Il y a un dinosaure. Ok, cette île est littéralement complètement folle. T'inquiète, je vais pas te déranger. Je vais m'éloigner. Tôt que je suis arrivé. Le plus drôle, ce sera le chemin du retour. Évidemment, il y a des choses intéressantes. Il y a des gens. Ça te dérange pas que je fouille un peu tes victimes? T'inquiète, je reste pas. Hein. Dépêche-toi tant qu'il a le dos tourné. Dépêche, il est juste derrière. Et tu sais pas comment ce truc va charger. Alors on se casse. Et le plus marrant, ça va être le chemin du retour, hein. Regarde ça. Super, et maintenant je dois passer par une caverne pour aller vers le temple. Caverne qui est sans doute habitée par des ghouls, hein, vu qu'on est tombé là-dessus tout à l'heure. L'enfer, mesdames et messieurs, l'enfer. Nous y sommes. Quoi, c'est tout? Des gnomes? C'est ça, le danger que je dois affronter? Des gnomes? Nombreux, certes, mais sans plus. Allez, bon. Mais oui! Je vous dis que je suis le patron. Le chef, toi, tu te calmes. T'es le plus chiant de la bande, justement, donc tu vas te calmer. Votre affaire, tu es déjà à la tâche. Tu vas arrêter, ouais. Tu vas arrêter. Tu sais bien qu'en plus, je peux pas t'atteindre, hein. T'es trop petit pour moi. Tu vas te calmer.
Oh, ils sont enragés, ces trucs! Oh, mais ils mangent quoi, ces machins, pour être aussi enragés? Vous avez vu, je pouvais pas me défendre! Ils savent en plus que je peux plus me défendre du fait que je n'utilise plus de bouclier. Je déteste l'ambiance qu'ils ont mis pour la... Il y a une potion comme ça, je vais l'utiliser donc, hein. On me l'a donné, donc c'est pour que je m'en sers. Le Valmar a envie de retourner dans l'autre sens, pas plus tard que maintenant, hein. Il va vous le dire, il panique. En ce moment même, là, le Valmar panique de manière assez incontrôlable. Par contre, waouh. Ces machins... Attends, comment ça se fait que ces machins arrivent à... Ok, je veux bien croire qu'ils sont chiants à tuer, mais quand même pas au point de... Recommençons. Il prend mal. D'accord, donc je vois. Sang. Zut, ok. Beau travail. J'ai vite compris comment ça marche. Sauvegarde, Valmar, sauvegarde, ne fais pas le con. C'est pas quel bestiole que je vais pouvoir rencontrer dans ces trucs. Des squelettes. Évidemment, tout jeu Dark Fantasy se doit d'avoir ses squelettes. Ça va, ils sont pas trop solides. En même temps, c'est des squelettes, hein, c'est pas des... Ça va, ils sont que deux. En même temps, je suis en facile. Donc déjà, ils sont pas trop nombreux. Et en plus, ils sont faciles à vaincre. Tu vas le lâcher ton bâton! Ah, enfin! Il m'a donné un coup. Oh, c'est gentil. Ah, ah! Alors, bon. Non, c'est pas ça l'entrée du temple. Je le savais! Hé hé! T'as essayé de me piéger le jeu. Par contre, le jeu, si tu pouvais arrêter avec les bruits étranges. Bon, déjà, c'est pas par là, hein. Monsieur Squelette, ravi de vous rencontrer. Oh non. Une goule. Il a fallu qu'on tombe sur une putain de goule. Alors là, vous voyez, le Valmar a deux solutions. Il peut foncer dans... Oula, non, il y a deux ghouls. Ok, abandon de la mission. Abandon de la mission. Retour au camp. Je ferai ça dans le chapitre 2 où j'aurai un équipement de ouf, une puissance incroyable, tout ça, etc. Hein. Pas question que j'affronte deux ghouls à moi tout seul. Monsieur Squelette, ça a été un chouette moment de vous connaître. Hein. Vos collègues sont morts, je suis désolé. Donc voilà. Donc le Valmar, bah, il va vous dire à plus partez vous venir j'ai des suites, etc. Parce que sinon tout le reste du chemin ce serait le retour. Avec un Valmar qui panique. Et ça ne servirait à rien. Bon d'accord, puisque vous aimez me voir être dans mes moments de panique générale. Donc on va enclencher le chapitre 2 et après quoi on s'arrêtera là. Hein. On est d'accord? On est d'accord. Et la sauzagette, à chaque fois qu'on en a, ça va nous aider. Avec toutes les plantes que j'ai récupérées, me dites pas que là j'ai pas le truc pour la quête de l'autre là. Punaise. Évidemment, l'autre chemin qui serait une bonne idée, ce serait de faire le grand tour. Mais wow, t'imagines le machin? Faire le grand tour comme ça? Est-ce que ça amène vers la côte est au moins? Ah, s'il y a un moyen d'éviter les ghouls, je suis ok, moi je suis partant. Vous inquiétez pas les prolonges, je reste pas longtemps, est-ce que c'est... Côte Est, ouais, bah on peut passer par là. En espérant que par là, on tombera pas sur des ghouls, et pas sur des bestioles trop dangereuses. En tout cas, on arrive à commencer à faire le bestiaire de l'île. C'est déjà une bonne nouvelle. Enfin, je sais pas si c'est vraiment une bonne nouvelle en soi, mais bon, on va dire que oui. Par là, c'est la côte Est. Bon, réfléchissons. Carte.
Alors, on a compris que là, le chemin... Tac, d'accord. Mais il y a sûrement un moyen de passer par là, qu'on voit qui est là. On pourrait aussi éviter ces conneries, mais passer par là. Mais ça semble plus dangereux. Et en plus, je te le rappelle, Valmar, t'es seul. Donc évite de faire le con. Ok, on va éviter de faire le con, donc. On va passer donc par ce chemin, qui a l'air plus sûr, je disais rien. J'ai rien dit. On bouffe un petit morceau de viande. Là, on y va. Bon, ok, aussi un hareng. Bon, j'économise, les mecs. Je peux pas... Allez, venez là, les bestioles. Tu vas arrêter de m'embêter, toi. Tu vois pas que j'essaie de m'occuper de ton chef? Lui et moi avons une discussion à faire. Alors, monsieur, déjà, calmez-vous. Arrêtez d'être surexcité, je sais pas ce que vous bouffez le matin, mais... C'est pas vrai. Il m'embête, le machin. Fil du rasoir. En tout cas, oui, les trousseaux de... Les trousses à outils, c'est bel et bien... C'est sale bête qui les ont, donc il faut que je tue des gnomes pour retrouver les trousses. Espérons que j'en ai pas vendu sur le chemin. Donc, déjà, bon, bah, c'était pas le bon chemin. Mais le pire, c'est que si ça, c'est le vrai bon chemin, enfin... Bon chemin, entre guillemets, hein, bien sûr. Ça sera super méga dangereux ce machin. Et je veux pas utiliser ça, non. Zut. Tout ça pour ça. Oula! Je t'avais pas vu. T'es quoi, un loup? Un loup. C'est des classiques. Tu vas te calmer, ouais. Ça faisait longtemps, tiens. Bon. Et alors. Vu que ça, c'est le bon chemin. Enfin, du moins, on pourrait croire. Ah ouais, donc toutes les zones des... Comment on appelle ça? Des temples sont donc dans des états comme ça. C'est pas super rassurant. Je vérifie. Bah, attendez, là, je me dirige totalement dans la mauvaise direction. Attendez, si je me... Ah oui, normalement je suis censé m'orienter vers là-bas. J'ai failli aller vers le mauvais endroit. Oh là là. Valmar, des fois, t'es vraiment con. Oh, super. Bon, par contre, j'ai trouvé le temple. Ah, ah, on va pouvoir s'arrêter sur le temple, d'ailleurs. Si t'as un pote, ce serait bien. Plus j'aurai de viande, mieux ce sera. T'as pas un pote? Les sangliers, c'est plus comme de... comme ça, on en faisait de nos jours. Avant, ils étaient là, tu vois. Quand on avait besoin, ils étaient là. Bon, récupérons tout ce qu'il y a dans cette zone avant de vous quitter. Ensuite, on entamera l'exploration du temple. Et après quoi, on fera le chemin inverse pour dire aux autres « Hey les gars, j'ai trouvé le truc qui est super trop cool, vous allez voir !» En espérant qu'ils attaquent pas tout ce qui bouge. Hein. Pas l'intention de perdre un seul des frères. Hein. Que si justement je dois en recruter 3. Oula. Du calme. Oh le jeu! Encore un de ces lags. C'est pas possible. Il se passe quelque chose à chaque fois. Est-ce que c'est le script? C'est pas impossible. Mais bon quand même, aussi sévère. Je m'en fous, tu me laisseras y aller. Ah, je m'en fous, ok. Ok, d'accord. Regarde, je fais ça. Ah là, tu peux rien dire, mec. Là, on est dans le menu. Alors là, t'es à 3 FPS, mais tu vas remonter. Voilà.